Bonjour, bienvenue sur le portail du Cru. Aujourd'hui, nous sommes du côté de Tresserve, c'est en Savoie, le lac du Bourget. Nous sommes à l'incomparable avec notre invité, je dis notre, puisque la chaîne Cru Life avec Véronique est venue nous rejoindre une nouvelle fois. Bonjour. Bonjour Pascal, bonjour Antoine. Et voilà, notre invité, c'est Antoine Sévoz, mamie, qui est avec nous. Il a le mérite d'être connu et c'est pour cela eh bien, qu'on l'a invité sur notre chaîne, justement pour vous faire découvrir le chef en lui-même, et bien sûr, et bien toutes ses créations, et tous ses mets. Alors, cher Antoine, bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes natif de la Savoie. Oui. Tout à fait. Vous avez démarré, on va dire, on vous a mis le pied à l'étrier le plus tôt possible. Très tôt, oui, oui. Oui, on m'a mis le pied à l'étrier, si on peut dire, assez tôt, parce que mes parents étaient restaurateurs. Mm-hmm. On avait un hôtel-restaurant au Bourget du Lac. Et c'est devenu tout naturellement la cuisine parce que le week-end, c'était pas un match de foot. C'était donner un coup de main au papa au fourneau, comme ça. Et puis après, bah, l'école hôtelière et puis le cursus professionnel a commencé. Donc la cuisine, c'était quelque chose de naturel. Après, on s'est dit, on va aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Oui, bah, obligatoirement. C'est essentiel. On est parti un peu à Paris, un peu en Corse, un peu à Courchevel, à Londres. Et puis on est revenu en Savoie. Et Londres, alors que vous a apporté justement le fait de traverser la Manche? Parce que beaucoup de chefs en fait font une escale sur Londres et on s'est dit tiens, il doit y avoir quelque chose là-bas. Bah, il y a vraiment quelque chose qui se dégage de cette ville. Déjà en étant jeune, on veut aller voir ce qui se passe ailleurs, voir comment travaillent les autres dans des autres pays. Londres, c'était une ville qui m'attirait, donc j'ai voulu voir comment c'était là-bas et puis je suis tombé dans un restaurant français, ça s'appelait le Green House, avec un chef français, un sous-chef français. Et j'ai appris vraiment la vraie cuisine française, j'ai envie de dire, là-bas, avec les fonds, les jus, les techniques, les associations de saveurs, les cuissons. Les fondamentaux de la cuisine française. Exactement, les fondamentaux de la cuisine française, bizarrement, je les ai redécouverts à Londres. Comme beaucoup. Parce que beaucoup de chefs, justement, traversent la Manche pour acquérir, je ne sais pas, des compétences, des connaissances, ou peut-être juste l'attrait de la curiosité et quelque chose. Je pense que c'est un tout qui se fait. C'est vrai que j'ai beaucoup de collègues de mon âge, une trentaine d'années, qui ont fait un an, deux ans, trois ans à Londres pour aller voir un peu ce qui se passait là-bas. Il y a une dizaine d'années, à l'époque où j'y étais, il y avait une sorte... C'était en ébullition, tous les restaurants faisaient un peu, pas la nouvelle cuisine, mais il y avait quelque chose qui se passait, on le sentait. Et c'était un détour obligé, un peu comme Paris, bah, il fallait passer par Londres aussi pour voir ce qui s'y faisait. Et une dynamique, quoi. Exactement. Une dynamique sur place. Vous avez tout au long de vos voyages culinaires acquis la rigueur, la technique, le savoir-faire à travers les grandes maisons étoilées, mais néanmoins, vous restez attaché aux produits locaux. Oui, oui, je reste attaché à ma Savoie, à mon lac, à nos montagnes avec la Dent du Chat, le Revard, et aux producteurs locaux qui sont installés ici. C'est essentiel pour faire une cuisine gastronomique. On est obligé d'avoir des producteurs de qualité qui nous délivrent chaque matin des poissons ultra frais, des légumes qui ont été cueillis la veille, des herbes très très fraîches. C'est ce qui va donner le plus dans un plat, parce que faire un beau plat avec des produits basiques, ça n'a pas de sens. Oui, alors attention, effectivement, les matières premières ici sont extraordinaires, mais Antoine sait les mettre en scène de façon exceptionnelle. Donc d'ores et déjà, je vous invite à venir découvrir sa cuisine. Vous serez enchanté par ce qu'il vous propose. Des arômes fantastiques, des choses qui sont très originales, mais d'une grande finesse et d'une grande sensibilité. Est-ce que vous arrivez à avoir aussi souvent que vous le souhaitez tous les producteurs locaux qui deviennent peut-être des amis à force du temps? Alors, pas assez souvent, j'aimerais bien. Après, il faut arriver à se dégager un peu du temps en cuisine. Moi, il faut que je me force aussi parce que c'est peut-être pas forcément dans mon caractère d'aller voir des nouvelles personnes, aller à la découverte. Mais on s'y force, on s'oblige au moins deux fois par mois à aller voir des producteurs, aller chercher des petites pépites. Ça fait partie de mon travail maintenant. Mais c'est essentiel, oui, d'aller toujours voir ce qui se passe ailleurs. Moi, j'ai découvert des fleurs comestibles, notamment dans votre exclusivité que vous nous avez présentée, qu'on a tournée ensemble avec Antoine. Il y a toujours eu cette sensibilité pour le végétal? Oui, parce que à l'hôtel familial, ma mère a tout le temps eu un jardin avec, je ne dis pas de bêtises, on avait 70 essences de plantes aromatiques depuis toujours. Et puis les légumes, enfin c'est quelque chose de... Puis les poules, enfin on est très très famille fermière, enfin pas fermière, mais on a eu... Terrienne. Terrienne, on va dire, exactement. Donc oui, c'était quelque chose de naturel d'inclure ça dans ma cuisine. Et vraiment, les personnes qui ont les sens très éveillés vers le végétal et les arômes, c'est vraiment un lieu incontournable.
Vous proposez des menus à l'aveugle? Oui. Ça consiste en quoi? Ça consiste d'abord à faire voyager le client, de le faire lâcher prise. On ne veut pas qu'il soit là à choisir « Oh, ça, peut-être, oh, puis non. » Non, le client s'assoit et se laisse aller. Et puis, la maître d'hôtel est là pour accompagner en cas de doute ou d'intolérance. Et pour nous, en Chine, ça nous permet de délivrer un message autour d'un menu et une émotion, enfin, j'espère, une émotion qu'on essaie de faire passer. Mais c'est surtout l'objet principal de ce menu à l'aveugle, c'est que le client se laisse aller. Mmh. Il s'assoit et il profite, c'est tout, et il mange. Le principe même de l'éveil des sens, justement, c'est tout d'abord avoir confiance. Donc on sait nous mettre en confiance ici. Et puis partir dans un voyage culinaire et gustatif, on se laisse guider complètement. Ouais. Du côté des poissons, dans quel lac vous vous servez? Alors du côté des poissons, tout ce qui est poisson d'eau douce au lac Bad en dessous. Juste à côté. Le lavaret qui est le poisson emblématique du Bourget, qu'on en a de moins en moins, mais dès qu'on en a, on le met à la carte. On a de l'omble chevalier, on a le brochet. On peut avoir aussi parfois un peu de... Ferra? Non, le ferra. Alors, nous, au Bourget, on a le lavaret. Oui. Et à Annecy et au Léman, ils ont le ferra. D'accord, il me semblait, mais maintenant je suis sûre. Quasi, c'est le même poisson, oui. Sauf qu'au Bourget, nous, on l'appelle lavaret, avec belette lavaret aussi. À Annecy et au Léman, c'est le ferra. D'accord. Voilà. Vous voyez, on en apprend tous les jours. Et est-ce que vous faites la carte en disant, bah voilà, aujourd'hui mon pêcheur me propose telle variété, donc à la carte, il y aura tel poisson? Oui. Au menu. Donc oui, en fait, vous vous calez par rapport à la pêche du matin? Je me cale par rapport à la pêche du matin. Après, je m'autorise aussi quelques poissons qui viennent de Normandie, parce qu'une grande partie de ma famille est normande, donc c'est des racines que j'ai là-bas et que je veux retransmettre à mes convives. Donc par exemple, mon poissonnier. Mon plat préféré. Oui, le lieu. Oui. Le Nado, et le poissonnerie de l'Étoile à Vauglan, est venu hier. Il m'a dit, regarde-moi le lieu jaune. Sublime. Il me l'a apporté, je ne l'avais même pas demandé. Et c'est juste magnifique. Enfin, des lieux de 5 kilos énormes. Là, ce matin, il m'a apporté un turbo de 10 kilos. Pareil, des côtes normandes. On va le travailler pour ce week-end et on va voir ce qu'on va en faire. On va en faire quelque chose, c'est sûr. Et puis, des recettes inspirées par vos racines, parce que j'ai eu la joie, le plaisir de goûter un souvenir d'enfance de votre grand-père. Oui. Dans la majorité des plats que je fais, j'essaye de retranscrire un souvenir ou une émotion, ou enfin qu'il y ait de la vie, quoi. Ouais. Que ce ne soit pas juste un assemblage d'éléments ou d'aliments. Je veux que ça transpire un message. Côté végétal, est-ce que vous allez... je pense que oui, poursuivre dans cette direction-là, mais de plus en plus, vous allez l'imposer. Oui, c'est dans l'air du temps, et puis c'est une question d'humain, j'ai envie de dire. Oui. Finalement, on sait tous qu'il y a de moins en moins de poissons, qu'il y a de moins en moins il faut de moins en moins de manger de la viande parce que ça consomme énormément d'énergie. C'est quelque chose d'humain de manger plus de légumes. Et puis en fait, travailler le légume, c'est tellement magique parce que on peut faire, avec un brocoli par exemple, on peut faire une explosion de choses. Avec un chou-fleur, c'est pareil. Avec des champignons, c'est pareil. Avec une salade d'herbe, il y a le champ du possible avec les légumes est juste magique. Il y a beaucoup plus de possibilités, à mon sens, avec des végétaux qu'avec des protéines. Alors, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, bien sûr. On a vu que la cuisine était pratiquement ouverte lorsque l'on dîne ou déjeune à l'intérieur. C'est voulu pour que l'on vous voie, pour que le client vous voie, pour qu'il y ait une interaction visuelle? Alors, c'était voulu par moi parce qu'on a fait, on a conçu la cuisine avec les patrons il y a un an et demi. C'était une vraie volonté de ma part de pouvoir voir les clients, d'avoir un œil sur ce qui se passe en salle, leurs réactions et voir s'ils aiment. C'était vraiment très important parce qu'avant où j'étais enfermé dans ma cuisine, on ne voyait pas du tout ce qui se passait. Donc là, de voir les clients, c'est très très important. Oui. Si je peux me permettre, je peux vous dire aussi que le personnel de cuisine a une vue exceptionnelle. Parce que des cuisines comme la vôtre, je crois que c'est la première fois que j'en vois une aussi merveilleuse. C'est fantastique. Ils dressent leurs assiettes, ils sont face au lac, avec la dent du chat juste en face. Pour un chef, c'est juste le rêve. C'est super beau. Dès qu'on a un petit coup de mou en cuisine ou qu'on est fatigué, un petit coup d'œil, on regarde, oh, c'est quand même beau. Hein. Ah, et on se régénère avec cette vue fantastique. Oui, et puis alors, quand ils sont un peu fatigués, je leur dis, bah, allez chercher des herbes dans le jardin, ils font un petit tour, ils sont contents. Non, mais
C'est des petits détails, mais ça fait beaucoup, je pense. Mais évidemment, et puis pour le client, c'est extrêmement plaisant de voir que ce que l'on vient de vous servir, ça a été cueilli à la minute, à l'instant. Donc c'est vrai qu'on a eu le plaisir de voir quelqu'un qui venait, qui cueillait des herbes pendant qu'on déjeunait. Et voilà, du coup, on a encore plus envie de mettre l'accent sur le végétal. Alors le personnel, on l'a dit, a vu sur, ici sur le lac et les montagnes, mais il a également vu sur les plats, puisqu'on s'est aperçu justement que le personnel qui vous sert à table connaît le plat qu'il nous sert, donc on peut lui poser n'importe quelle question, il saura répondre. Ça, c'est un petit plus aussi. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez voulu également? C'est indissociable. C'est pareil dans l'énergie qu'on essaie de transmettre entre la cuisine et la salle. Et le message, bah, c'est la même chose. Il faut qu'ils connaissent leur plat. Et puis, on fait des testings, on goûte ensemble, on partage les retours. Enfin, c'est un vrai travail d'équipe, finalement. Et puis, la voix d'un serveur sur un plat a autant d'importance que la voix d'un cuisinier. Bien sûr, de toute façon, c'est un véritable investissement et un partage. On ne peut pas présenter un produit, apporter un produit, si on ne l'a pas goûté, si on n'a pas les saveurs, si on n'a pas aussi l'esprit qui est derrière, qui a été partagé avec son chef. Donc voilà, tout ça, vous le trouverez également. Vous nous parlez de votre création, l'écrevisse, que vous nous avez proposée cet après-midi? Oui, alors c'est un plat, une création, par contre, qui a été vraiment réfléchie, celui-là, où j'ai voulu retranscrire les trois territoires qu'on peut trouver ici, c'est-à-dire le lac, les rives maraîchères et la montagne. Et on a essayé de faire ça dans l'assiette. Donc on a les écrevisses qui représentent le lac, on a les rives maraîchères avec cette purée de radis et ces copeaux de radis crus, et les herbes maraîchères où on allait chercher les herbes maraîchères un peu sur les hauteurs d'Aix-les-Bains et un tout petit peu en montagne. Pour moi, c'est l'alchimie vraiment de la Riviera. C'est ça. Tout était dans cette assiette. Et puis alors, j'ai un souvenir gustatif extraordinaire de ce radis. Il est très très bon. Il est croquant, un peu poivré, mais c'est très délicat. Il est subtil. J'avais envie de voler celui de Pascal pour le regoûter une deuxième fois. Mais trop tard. On a aussi un jardin aromatique ici pour les herbes. Oui. Est-ce que vous allez essayer de l'agrandir au maximum ou... Vous pensez avoir vraiment les principaux Alors, là, notre petit jardin d'herbes aromatiques devant la terrasse, on a les principales herbes qu'on utilise. Et après, en contrebas, on a un jardin en mandala. Mm-hmm. Qui est magnifique. Qui va être magnifique. Bah là, on le voit à l'écran. Ah oui, là. Mais déjà, il est bien structuré. On a déjà fait de belles photos. Oui, il est bien. Après, il va être magnifique quand tout va sortir de terre et qu'on va avoir un gros coup de chaleur pendant deux semaines. Mm. Tout va sortir. On reviendra. Ça va être top, mais oui, on se sert par contre les légumes qui sortent de là-bas, on s'en sert pour par exemple des petits amuse-bouches ou des pré-desserts ou des mignardises. Très bien. Permaculture, est-ce qu'il y a des choses ici? Il y a une possibilité? Quand on a planté les graines, on a associé certains légumes avec certaines herbes pour qu'elles se protègent entre elles, qu'elles se nourrissent. Bien sûr. On a essayé, on peut pas dire qu'on est permaculture à 100%, mais on a été réfléchi. On a réfléchi sur l'association d'herbes et de légumes entre eux pour qu'ils se protègent et qu'ils s'associent au mieux. Bien sûr. Bon, après, c'est vrai que l'espace est aussi extrêmement, comment pourrais-je dire, c'est vraiment un lieu de bien-être aussi. Donc, effectivement, vous n'avez pas beaucoup d'espace non plus qui soit réservé à la production. Oui. Mais je trouve que néanmoins, on retrouve sous les esprits, voilà, à la fois les aromatiques, un peu de permaculture. Vous aviez aussi quelques poules qui vont revenir. Oui. Voilà, mais ouais, quand vous êtes le matin, vous vous réveillez face à un lac merveilleux comme ça dans un établissement et qu'on vous amène un œuf frais qui vient d'être ramassé. Ramassé, tout simplement. Mais ça change tout, quoi. Oui, on a vraiment voulu essayer de mettre en avant ce côté... On a un hôtel 5 étoiles de luxe, mais on reste un hôtel avec un esprit familial où on peut trouver les poules, on a des abeilles qui font notre miel, donc ça c'est top pour le petit-déj. On a un petit jardin potager qui nous font quelques légumes pour des petits plats, on a toutes nos herbes aromatiques. On a essayé un peu de composer avec aussi les équipements de l'hôtel, c'est-à-dire la piscine, le tennis, des choses comme ça, l'accès spa extérieur. On a composé et essayé de répondre à tous les critères que... Oui,
C'est vraiment, vous allez vraiment trouver ici le condensé de tout ce qu'on peut attendre dans un établissement comme ça. Mais c'est du vrai. C'est vraiment, voilà, on utilise les herbes aromatiques. Vraiment, on vient les chercher pendant que vous déjeunez. Tout est là, tout est en place. Et ça génère un esprit vraiment très appréciable. Est-ce que vous pensez, comme certains chefs, que la gastronomie française traîne une image qui est faite pour un certain niveau de personnes, alors qu'au final, c'est ouvert à tout le monde? Je pense encore qu'on traîne cette image un peu de caste, que la gastronomie est réservée aux, excusez-moi du terme un peu, mais aux bourges ou aux les gens qui sont les assez bobos, aisés. Mais bon, alors que pas du tout. Finalement, venir manger dans un gastro le midi, ça va revenir à 50 euros le premier menu. C'est pas plus cher que dans une brasserie avec un coca, on y vit à 50 euros quoi. Et puis croyez-moi, la qualité de ce que vous mangez et du service et de la présentation et du service même par lui-même, vous êtes dans un restaurant top niveau quoi. Voilà, vous voyez, donc ce n'est pas le premier chef qui nous le dit, la gastronomie est vraiment accessible au plus grand nombre. À tout le monde, vraiment à tout le monde. Voilà. Faites-vous plaisir un jour, ici à la Comparable, comme n'importe quel autre chef, qu'il soit étoilé ou non. Je le rappelle, ici, un chef pour nous est un chef. En tous les cas, on espère avoir une, deux, trois. On en est sûr. On en est convaincus tous les deux. On en est convaincus avec ce que nous avons goûté et déjeuné aujourd'hui. On en est convaincus. Donc voilà, si chez Michelin nous regarde, Antoine, c'est vos mamie. Voilà, retenez ce nom. De toute façon, vous ne pourrez pas y échapper. Antoine, on se fait une promesse. Dès que la première étoile est là, on s'appelle? Ah oui, volontiers. Avec grand plaisir. Ce sera partagé. Et puis, en tout cas, on espère y contribuer fortement parce que c'est vraiment mérité. Merci beaucoup. Merci Antoine. Merci Antoine de nous avoir reçus. La Comparable du côté de Tresserve. Antoine, c'est vos mamies. Vous avez des références, bien sûr, sur le net. Et puis, bien évidemment, sur nos chaînes, le portail du cru. Et puis, la recette, fameuse recette au brocoli, qui a été créée spécialement pour la chaîne Cru Life, à découvrir en ce moment même. On vous met le lien et, bien sûr, le lien en dessous dans la description. À très bientôt. Et puis, on espère vous voir ici et du côté donc, de la Comparable à Tresserve. C'est en Savoie. À bientôt.